le logement. Ouais, le travail. Mais si on est viré de son travail, on perd son logement. Et si on n'a pas de logement, on perd son boulot. Ou on n'en trouve pas. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça va ensemble. Et vous savez que si les patrons y gagnent de plus en plus, les rentiers aussi. Oui. Donc, et souvent, et d'ailleurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui nous baissent nos salaires, qui nous virent de nos boulots, qui prennent des esclaves pour travailler au noir. Et c'est les mêmes qui nous piquent nos petits salaires de misère dans les loyers chers. Voilà, ça vous va? Alors, ils en gagnent de plus en plus du fric. C'est sûr. Vous savez, c'est l'histoire des 40, 64 plus riches du monde qui détiennent autant que la moitié la plus pauvre. C'est-à-dire que 3,5 milliards d'habitants. Voilà. Ou que les 1% les plus riches qui détiennent la moitié des richesses mondiales. Voilà. Bon, donc maintenant, on a un truc très simple. On va dire, comme on disait dans les années 90, partage des richesses. Et partage des richesses. Alors, il va falloir aller les chercher avec les dents. Hein? Là, parce qu'ils vont pas nous les lâcher comme ça. Hein? Bon, j'ai presque fini. Donc, pour savoir comment ils vont nous lâcher des logements ou pour leur interdire de nous virer de nos logements. Vous venez demain à la première assemblée générale des mal logés, des locataires en colère, de ceux qui sont menacés d'expulsion, des sans-abri, des habitants des quartiers populaires, des locataires qu'on en marre des loyers chers, j'en oublie. Des galériens, des colocataires qui veulent... des colocataires qui en ont marre aussi de payer cher, ouais. D'accord. Donc demain, à 14h, là vous venez au dalle, là, par là. Et donc c'est notre petite place habituelle. Et on va organiser le partage des richesses du logement à toi cet endroit. Salut.